Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, tel que vous êtes, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec chacune et chacun d'entre vous. Et c'est là une force qui nous ressuscite et qui nous rend joyeux. Merci d'être ici pour que nous puissions nous donner mutuellement cette force. Alors en ce dimanche de Pentecôte, nous sommes tout particulièrement joyeux d'accueillir quatre catéchumènes qui ont demandé à faire leur profession de foi parmi nous, Antoine Béchara, Arnaud Prudhomme, Iris Vallet et Roxane Béchara. Alors ce sont eux qui vont nous conduire dans la première partie de ce culte. Et je voudrais aussi accueillir au début de ce temps un groupe de personnes qui descendent des pasteurs Berthaud et Daillé, des pasteurs de l'Église réformée de Paris au XVIIe siècle, d'ailleurs des pasteurs plutôt libéraux du côté Saumur en fait, et leurs descendants ont fui la France en 1685 à la révocation de l'édit de Nantes, et certains parlent encore français, mais pas tous. Alors il paraît que le jour de Pentecôte, chacun entend dans sa langue maternelle ce qui est dit au culte, en tout cas ce qui est dit par le cœur, ce qui est dit par l'esprit. Et c'est vrai que si je peux me faire comprendre avec trois mots d'anglais aujourd'hui pour eux, ben ce sera vraiment un miracle du Saint-Esprit, vu mon accent, qui vraiment émerveille tout le monde. So, dear children of pastors Daillé and Berthaud, you are very welcome in our church. We are grateful for what your ancestors did 400 years ago, and we are concerned by your loyalty for the faith or your ancestors. Voilà. Et nous pouvons maintenant nous ouvrir à la présence de Dieu avec la salutation. Donc le premier chant qui est marqué au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Avant de te connaître, éternel, je n'existais pas. J'étais malheureux. Le sens de ma vie m'était inconnu. Dans mon ignorance, mon être profond m'échappait. Grâce à ta miséricorde, j'ai commencé d'exister. Je sais maintenant clairement que je ne tiens mon existence que de ta bonté. Je sais que toi, qui n'avais pas besoin que j'existe, tu ne m'as donné la vie que par amour. Aussi longtemps que le permet la vie que tu m'as donnée, Père Saint, Dieu Créateur, je veux te proclamer comme le Dieu éternel et comme l'éternel Père. Et nous chantons ensemble donc le psaume 33, Réjouis-toi, peuple fidèle, les strophes 1, 2 et 5 dans le psautier français. Thank you.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre Dieu, nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de haine, de ces murs de solitude, murs de notre misère, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Dieu, source de vraie vie, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage, ce qui nous aveugle. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous divisent entre nous. Nous espérons en toi, toi que Jésus-Christ nous a fait connaître, pour chercher le pardon, pour chercher la libération, pour chercher la paix et la vie. Voici ce que déclare l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. Chantons notre reconnaissance. Nous nous unissons à cette confession de foi tirée de l'Évangile. Jésus-Christ est le pain de la vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les... mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Ah, et il sortira, et il trouvera la vie. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis, elles le connaissent, comme le Père le connaît et comme il connaît le Père, et il donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il sera mort. Jésus-Christ est le chemin. La vie. Nul ne vient au Père que par lui. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Alors nos catéchumènes ont choisi comme cantique le cantique 103 d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, un beau cantique de Noël, et c'est vrai que le temps est aussi de saison, mais c'est aussi, si vous voulez, une fidélité non seulement à de bons vieux cantiques, mais aussi à ce tronc d'Isaïe dont les racines sont encore fécondes aujourd'hui. Alors je suis donc allé chercher pour suivre leur inspiration, je suis allé chercher la racine de ce bon vieux cantique. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, à la fin du chapitre 10 et au début du chapitre 11. Voici le Seigneur, l'Éternel des puissances, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les broussailles de la forêt, et la forêt du Liban tombe sous le puissant. Mais alors, un rameau sortira de la souche d'Isaïe, et de ses racines, une pousse portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de savoir-faire et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Oui, il respirera le respect de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas son jugement sur une simple rumeur, mais il gouvernera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole au lieu d'un bâton, et du souffle de ses lèvres, il fera disparaître la méchanceté. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et donc, je vous propose de chanter ce cantique 103 dans le petit recueil « Louanges et prières d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frais rameau jaillit », les trois strophes du cantique 103. Thank you.
Éternel, tu nous as promis ton esprit, que ton esprit ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir maintenant ta parole dans notre méditation de ce texte biblique. Que ta parole alors nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer. Qu'elle nous donne une espérance confiante dans ton aide et un cœur capable de compassion pour notre prochain à nos côtés. Ésaïe nous fait donc imaginer une souche, ce qu'il reste d'un ancien grand arbre et même d'une forêt tout entière qui a été abattue. Le tronc du grand arbre a été comme peut-être cassé en deux, les branches ont été arrachées par une tempête de vent et il reste un bout du tronc un peu noirci par le feu et puis des racines. Le reste de la forêt est en vrac peut-être. Tout est noir et gris, sauf une petite pousse verte d'un vert tendre qui a déjà la hauteur d'un homme et qui porte du fruit ou qui en portera bientôt peut-être. Alors un rameau sortira de la souche d'Isaïe, nous dit le prophète, et de ses racines une pousse portera du fruit et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de savoir-faire et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Alors de qui est-ce que parle Ésaïe quand il dit « l'Esprit reposera sur lui » ? Qui est ce « lui » dont il est question ici ? Est-ce que c'est un sauveur à l'époque d'Ésaïe ? Oui, sans doute, mais pas seulement, car ce texte a été recopié de génération en génération afin que nous puissions l'entendre dans notre génération comme parlant de notre vie. Et donc, le « lui » de ce texte, C'est qui ? Alors c'est aussi Jésus-Christ, bien sûr, en particulier, mais pas simplement, sinon ce serait marqué, l'Esprit de l'Éternel était sur le Messie qui va sauver l'univers tout entier. Mais celui anonyme, eh bien c'est le lecteur. À l'instant même où il écoute cette parole, où il lit le texte du livre, et qu'il s'ouvre à ce que cette parole lui dit. Et donc ce passage, il comprend une promesse pour chacun d'entre nous, et même plus qu'une promesse finalement. Ce texte comprend une expérience que Dieu donne son esprit, Dieu donne son esprit et que c'est un formidable coup de main qui nous est donné. C'est l'expérience du prophète, et elle est vraie de génération en génération, que Dieu ne nous abandonne pas par exemple quand des méchants ou quand des catastrophes de toutes sortes peuvent nous tomber dessus, et laisser notre vie comme en ruine, comme cette forêt. Dieu souffle sur la forêt de son souffle, et un esprit de résurrection et de vie fait bourgeonner, fait revenir la vie. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber non plus quand nous sommes la cause de notre propre perte, car c'est souvent l'ennemi le plus terrible.
Et Ésaïe cite dans ce passage deux exemples de ce cas, finalement. Le premier, c'est quand nous nous prenons pour la forêt du Liban, forêt championne du monde à l'époque, c'est-à-dire quand nous perdons dans l'arrogance de nos succès et de notre propre réussite, nous prenant peut-être pour Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas tomber non plus quand c'est le cas inverse, quand notre vie s'épuise en broussailles et en ronces, en taillis, une vie encombrée de choses pas très productives, piquantes, en désordre. Notre pire ennemi est donc souvent nous-mêmes, comme le dit ici Ésaïe. La broussaille au ras du sol et l'orgueilleuse élévation sont présentées ensemble. Voilà, tous, même combat, comme deux maladies qui nous pourrissent la vie et qui ruinent notre qualité d'être. Et pourtant, même alors, Dieu ne nous abandonne pas, et surtout pas à ce moment-là où nous avons besoin de son aide. Et il nous propose, il nous aide à repartir de la racine, finalement. Alors, grâce à son esprit, un rameau sortira de la souche d'Isaïe et de ses racines, une pousse portera du fruit. Alors cette phrase, comme je viens de vous la lire, est en général traduite au futur. Mais le futur n'existe pas vraiment en hébreu, en fait. Les verbes sont soit au passé, à l'accompli, soit à l'inaccompli, qui désigne le présent et le futur. Cette annonce n'est donc pas seulement une promesse, elle peut parler du présent de notre vie. Et aujourd'hui, nous disait Ésaïe, vous qui lisez ce livre, vous qui entendez ces mots, vous êtes déjà ce rameau qui sort de la souche d'Isaïe et qui déjà porte du fruit, en fait, même si vous ne le savez pas. Mais ce texte est aussi une promesse qui nous dit que nous avons de l'avenir et que nous pouvons encore grandir et porter de bons fruits. Oui, nous avons plus que de l'avenir, en fait, car nous sommes l'avenir du monde, en fait. Chacun, quel que soit notre âge, car il n'y a pas d'âge, finalement, pour être cette jeune pousse qui sort du vieux tronc d'Isaïe. Alors pourquoi le prophète parle-t-il du vieux tronc d'Isaïe? Pourquoi Isaïe plutôt que d'autres figures plus reluisantes de l'histoire du peuple hébreu? C'est bizarre car Isaïe n'a pas fait spécialement de choses formidables, si ce n'est qu'il a donné naissance à David. David, le bien-aimé de Dieu et l'ancêtre du Christ, finalement. Et donc quand la Bible nous annonce que nous sommes un rameau qui sort du vieux tronc d'Isaïe, ce texte nous dit que nous n'avons pas à être bien sagement un imitateur de David, par exemple, comme s'il nous disait « Soyez fils de David, fille de David », ni même imitateur de Jésus-Christ, finalement. Mais que nous serons comme un nouveau David à notre façon, puisque nous serons un rejeton d'Isaïe, le père de David. Et donc nous serons comme un nouveau David, et puis de nous-mêmes va pouvoir sortir un salut formidable, un peu comme celui du Christ, mais à notre façon personnelle, unique, avec notre style, notre personnalité, notre point de vue, notre talent. Et puis hélas aussi avec nos défauts, bien sûr, car David en avait aussi des défauts, et des sacrés défauts même. Mais il a vraiment essayé de mettre son cœur et d'avancer avec Dieu, pour son peuple. Et cela vraiment a fait avancer le monde. Lui, le petit berger, fait par Dieu, roi et prophète. Lui dont le Christ sera issu, le sauveur de l'humanité. Alors donc ce texte nous propose une promesse, promesse pour nous d'une extraordinaire fécondité de notre vie même pour les générations futures en fait. Dans ce vieux tronc, nous puisons la sève de bien des racines que nous choisissons et puis des racines qui nous ont été données. Il y a d'abord nos parents, bien sûr. Il y a aussi des personnes que nous admirons, nos études, nos lectures, la musique que nous écoutons, tout cela forme notre souche, nos racines. Alors, catéchumène, vos parents sont fiers de vous plus qu'ils ne savent peut-être l'exprimer. Vous êtes ce rameau sur lequel repose l'Esprit de l'Éternel, ce rameau qui déjà porte des fruits de sagesse et d'intelligence, de bon sens, de créativité, de bon cœur et de vraie foi. Vous êtes ce rameau et, dans un sens, vos parents sont la souche.
tout respect gardé, bien sûr, car peut-être c'est pas très glorieux d'être une vieille souche. Mais ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est une reconnaissance de ces racines que sont leur personnalité, leur langue, leur culture, leur foi, leurs croyances, leur religion, leur philosophie, leurs engagements. C'est la reconnaissance que nos parents sont pour nous aussi essentiels qu'est la racine pour un frère à moi. Et cela veut dire aussi que même s'ils étaient aussi secs qu'une vieille souche, eh bien notre vie vient d'eux en fait, même encore aujourd'hui, c'est là que nous puisons une sève pour vivre. Alors c'est vrai que dans la souche, il y a du bois sec. Mais il y a aussi en profondeur des racines dont la sève nous donne encore vie aujourd'hui. Et donc il serait injuste, il serait idiot de dire à la souche, parce que tu es en partie du bois sec, tu ne vaux rien. La première mission du frère Rameau est de recevoir avec reconnaissance finalement et avec profit tout ce qu'il y a de vivant et de bon dans ce vieux tronc d'Isaïe. Même s'il faut chercher, bien sûr, en profondeur, sous la surface, avec du cœur, avec de l'intelligence, avec du bon sens, nous dit Isaïe. Et c'est là que l'Esprit-Saint nous aide, bien sûr. Alors, lundi dernier, j'ai eu une préparation de mariage et de baptême avec un couple qui voulait donc préparer leur mariage et le baptême de leurs enfants. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Et ils m'ont dit que quand ils sont devenus eux-mêmes parents, ils se sont mis à être beaucoup plus indulgents vis-à-vis de leurs propres parents. Oui, ils se sont rendus compte que ce n'est pas si facile que ça, finalement, d'être un père ou une mère. Le mieux qu'on puisse demander à des parents, c'est d'essayer vraiment de faire au mieux ensuite, c'est aux enfants de faire avec ce qu'il y a eu de bon, sans s'arrêter ni aux ronces, ni au bois sec, ni aux fausses hauteurs. Mais de garder la bonne racine et de recevoir avec reconnaissance et de valoriser finalement dans sa propre dynamique tout ce qu'il y a de bon dans cette racine et être, à sa façon, un nouveau David. Alors la Bible aussi est un vieux tronc d'Isaïe et cela non plus, c'est pas péjoratif. La Bible nous vient du fond des âges avec des centaines d'auteurs différents, avec 2 à 3 000 ans de débat finalement tout autour du monde, autour de ces textes. Et c'est comme cela que la Bible est un formidable vieux tronc d'Isaïe, une souche avec de bonnes racines aussi. Mais c'est comme avec toutes les vieilles souches, il faut chercher en profondeur ce qui sera source de vie pour nous aujourd'hui et d'y puiser la sève pour une croissance et une fructification. S'inspirer peut-être de certaines valeurs avec Moïse, un élan de foi avec Abraham qui met en route, ou peut-être nourrir notre prière en toutes circonstances avec les psaumes de David, peut-être trouver une nouvelle façon de regarder le monde et notre vie et nous-mêmes et notre prochain avec les prophètes qui toujours nous interpellent et nous dérangent, mais surtout recevoir avec une confiance totale finalement, confiance dans l'amour de Dieu que nous pouvons puiser dans les évangiles, dans ces témoignages sur Jésus de Nazareth. Et puis une invitation à réfléchir sur la théologie, réfléchir sur notre vie avec l'apôtre Paul et les autres, oui, que de racines dégoulinantes de sève, de lait et de miel nous pouvons trouver là-dedans. Alors l'Église aussi est un vieux tronc d'Isaïe, une souche d'un très très vieux grand arbre. Les anticléricaux ont raison dans un sens, l'Église n'est qu'une vieille souche, c'est vrai. Mais nous n'adorons pas les vieilles souches et pas plus l'Église, elle n'est qu'un signe visible finalement. Quand on voit une souche, c'est qu'il y a des racines en dessous. Et cette racine de l'Église chrétienne, eh bien c'est le Christ qui est une vraiment sacrée bonne racine. Alors mettre sa foi en Christ, c'est tirer de lui une sève pour pousser, bien sûr, et alors, comme le rameau, on ne pousse pas à l'intérieur de la racine, mais on sort à l'air libre et on pousse librement, finalement. Une pousse
ne peut pas pousser à l'intérieur de la racine, mais sa vocation, c'est de sortir à l'air libre et de porter son fruit. C'est là qu'elle peut porter son fruit. Un pommier ne peut pas produire des pommes sous terre. Et c'est finalement la fidélité de la racine aussi, de laisser la pousse s'élever et sortir d'elle. Et c'est ainsi que le Christ nous apporte quelque chose, non pour nous enfermer dans une vérité de dogme, il n'a rien écrit, ni pour s'enfermer dans des rites, des lois, mais en favorisant notre développement et notre libre créativité, là où nous serons selon notre inspiration, selon ce que l'Esprit nous donnera de faire. Sans cesse, Jésus dit aux uns et aux autres, « Va en paix, librement, dans la confiance, dans l'amour de Dieu, dans son pardon et dans son aide. » Alors oui, ce sont là nos racines. Et nous puisons dedans une sève vivifiante et nous montons plus haut, donc n'ayons pas peur d'être nous-mêmes. N'ayons pas peur d'être hérétiques. C'est un beau mot. Hérétique, c'est littéralement celui qui choisit par lui-même. Or, nous dit Ésaïe, l'Esprit repose sur lui, celui que nous sommes tous, qui lisons le livre et qui l'écoutons. L'Esprit repose sur lui pour qu'il ait sa propre intelligence, son propre discernement, son propre bon sens, nous dit Ésaïe. Cet Esprit nous aide donc afin que nous puissions choisir par nous-mêmes et qu'en choisissant par nous-mêmes, nous faisions un bon choix finalement, un choix d'un chemin nouveau que nous serons les premiers à emprunter, un chemin qui fait vivre, un chemin qui nous rendra heureux et plein de fruits pour ceux qui seront à côté de nous. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de savoir-faire et d'intelligence, esprit de bon sens et de force, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Et donc un esprit qui donne à la fois d'être capable de choisir avec intelligence, mais aussi avec un fort sens pratique, nous dit Ésaïe, avec une capacité d'adaptation à la réalité du moment et à notre inspiration personnelle. Et donc c'est là qu'une loi ne pourrait pas marcher finalement, puisqu'il n'y aurait pas ce sens pratique en fonction des circonstances. Une personne qui anime un vrai souffle de liberté, mais en même temps, une personne qui puise dans des racines anciennes une bonne sève, une sève de connaissance et de respect de l'Éternel, de fidélité à l'Éternel notre Dieu, la source profonde de la vie, de mouvement et d'être, nous dit l'apôtre Paul. Alors oui, il est ainsi possible d'être fidèle à ses racines anciennes tout en poussant à l'air libre. Il est alors possible d'être à la fois pragmatique dans la vie réelle, mais en même temps avec la soif de changer le monde et de le rendre plus juste. Il est possible d'aimer les gens tels qu'ils sont finalement, mais quand même de vouloir agir en espérant qu'on va les aider à devenir meilleurs. Il est possible de se trouver soi-même pas si mal que ça, heureusement, tout en demandant à Dieu de nous convertir encore et de nous aider à avancer, d'éclaircir notre regard, d'approfondir notre intelligence, d'assouplir notre échine peut-être, d'ouvrir nos mains crispées sur ce que nous avons, de dégourdir nos jambes et puis d'avoir un cœur de chair. Alors oui, on peut être sincèrement attaché au Christ, notre racine profonde, sans vouloir pour autant imposer notre foi aux autres, mais en témoignant tout simplement finalement. Et reconnaître ce qu'il y a de juste et bon dans d'autres traditions, dans d'autres religions, dans l'islam, dans Aristote, dans Spinoza, dans Platon, dans Nietzsche et dans tant d'autres. Nous enrichir de ces témoignages tout en restant fidèles au Christ, notre racine. Alors c'est cela. Ésaïe nous dit que nous pouvons par l'Esprit être un bon rameau qui a de bonnes racines profondes finalement. Mais un rameau qui pousse à l'air libre, qui grandit, qui porte ses propres fruits en son propre temps, comme nous le dit le psaume premier. Et il ajoute que nous pouvons par l'Esprit devenir un loup gentil, avec la beauté et la force d'un loup qui ne dévorerait plus les enfants, un loup qui garderait même notre âme d'enfant finalement, tout en étant plus sage peut-être, mais gardant la soif d'apprendre et de grandir de l'enfant, et sachant compter sur ce qu'il aime comme le petit enfant. Alors oui, l'Évangile
ne nous propose pas de suivre une voie moyenne comme prudente. Il ne nous propose pas la modération en toute chose. Au contraire, il nous propose de tenir les extrêmes ensemble. La foi est une tension féconde qui tient à la fois une énergie et une patience formidables, une allergie au mal et une bienveillance sans cesse renouvelée pour que nous soyons à la fois le meilleur du lion et le meilleur de l'agneau, que nous soyons à la fois fidèles à ceux qui nous aiment, mais en étant nous-mêmes quand même, que nous ayons vraiment cœur à cœur avec Dieu, recevant de lui le droit de se sentir libre d'avancer dans la vie comme des grands. Amen. Et merci au chœur de l'oratoire qui nous a préparé par ce chant, donc ce choral bien connu de Luther, à chanter le cantique 170, alors un cantique de Pentecôte qui nous permet de nous préparer à recevoir l'Esprit, comme nous le propose Ésaïe. Donc cantique 170, les trois strophes du cantique « Viens habiter dans nos âmes ». Thank you.
pouvez prendre place. Alors, comme annonce pour ce jour, il y a d'abord peut-être cet après-midi à 17h, il y a ici donc un baptême d'un enfant, un petit Liam Bernier. Demain, il y a le grec biblique pour les ex-débutants, donc en face à 19h30. Jeudi à 19h30, il y a le groupe d'étudiants aussi en face, aux 4 rue de l'Oratoire, avec un débat et puis un repas partagé. Samedi à 10h, il y a l'hébreu biblique avec Gilles Castelnau. Dimanche, c'est un dimanche avec l'éducation biblique, donc l'éveil biblique en face, le catéchisme, l'école biblique, le groupe de lycéens. Et puis, donc, nous aurons un temps de Sainte-Seine, vous le voyez, et donc nous communierons avec les catéchumènes d'abord, et puis ensuite, eh bien, nous ferons des tablées successives. Quiconque le désire peut participer à ce repas du Seigneur. On a le droit aussi, bien entendu, de ne pas participer si c'est votre choix. On a le droit de prendre le vin, prendre le pain, comme on l'entend, ou de prendre les deux. C'est une liberté qui est offerte à chacun pour son propre cheminement de foi. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu, et c'est un geste de louange et un geste qui permet aussi à l'Église, ce vieux tronc d'Isaïe, eh bien, d'exister encore et d'être signe pour cette racine qui nous fait vivre.
Alors nous avons vraiment la joie d'entourer ces catéchumènes qui, pour répondre à l'appel de Dieu, ont demandé d'affirmer devant notre communauté ce matin le désir d'être disciples du Christ. Catéchumènes, chaque jour, Dieu vous donnera la force de persévérer dans la foi et dans ce cheminement confiant à la suite du Christ. Dans les moments difficiles, Dieu sera votre délivrance. Dans le doute, il sera une certitude renouvelée. Dans la peur, il sera votre courage. Dans la souffrance, il sera votre réconfort. Toujours, il vous précédera sur votre route et sans cesse, il renouvellera la joie dont il comble les siens. Aucune puissance en ce monde ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Et vous, parents qui avez la joie de voir vos enfants parmi ces catéchumènes, votre désir le plus cher est qu'ils soient heureux. Nous sommes persuadés par le fait que d'être en communion avec Dieu en Christ, ce sera un élément très important pour eux dans l'épanouissement de leur être. Et à nous tous, ce geste de ces catéchumènes, c'est un exemple de foi qui nous appelle à demeurer nous-mêmes fidèles à la grâce qui nous a été faite par Dieu et à chercher, nous aussi, chaque jour, à faire un pas de plus dans notre propre cheminement de foi et dans le service de l'autre. Catéchumènes, vraiment, nous avons eu de la joie et de l'intérêt à vous accompagner tout au long de ces années de catéchisme, vraiment. Vous avez été formidables et c'est pour nous une joie de vous voir arriver ici et de se sentir plus que jamais, voilà, frères et sœurs, dans cette église chrétienne, église qui dépasse toutes les institutions, toutes les boutiques différentes, quelque chose comme une grande famille unie en Christ. Alors nous allons appeler les catéchumènes les uns après les autres par ordre alphabétique des prénoms, voilà. Donc ça commence par Antoine Bécharin. Antoine, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Veux-tu confesser ta foi en Christ ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Alors tu as choisi quelques versets pour dire un petit peu qu'est-ce qui est fondamental dans ce cheminement, ce qui t'a plu, donc merci beaucoup. Peut-être il faut... Donc c'est Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc j'ai choisi ce passage car pour moi, il montre à quel point dans l'amour de Dieu, les hommes sont égaux. Merci beaucoup. Antoine, Dieu est fidèle, il t'accompagnera sur le chemin de ta vie, il te donnera de faire de belles et de grandes choses et il te donnera la joie parfaite qu'il réserve donc à chacun de ses enfants. C'est maintenant à Arnaud Prédhomme. Alors Arnaud, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Arnaud, sur ton chemin de vie, l'Éternel ouvre un horizon de paix, de joie et d'amour. C'est ainsi qu'il t'accompagne à chaque instant de ta vie. Amen. Alors Arnaud, tu as choisi toi aussi un verset et je te propose maintenant de le partager avec nous. J'ai choisi le psaume 25, versets 4 à 6. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. J'ai choisi ce verset parce que tout ce que Dieu nous enseigne est important pour nous et il ne faut pas que nous l'oublions. Maintenant, c'est Iris Vallée.
Iris, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Veux-tu confesser la foi en Christ ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Alors tu as choisi, pour préciser un peu cette confession de foi, un verset dans la Bible. Est-ce que tu veux bien nous lire ce que tu as choisi ? Je sais que Dieu est en permanence près de moi. Je sais qu'il ne sera jamais déçu par mes actes et mes choix dans la vie. Et que quoi que je fasse, il m'aimera toujours d'un amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ai choisi de vous lire Jean 15, 9 à 12. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Iris, Dieu est fidèle. Il t'accompagnera sur le chemin de ta vie. Il te donnera d'embellir le monde par la qualité de tes pensées, tes paroles et tes actes. Un grand merci, Iris. Oui, Roxane Béchara, c'est à toi maintenant. Que demandes-tu ? Je demande la confirmation de mon baptême. Souhaites-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Roxane, l'Éternel te bénit sur ton chemin. Tu as choisi un texte biblique, toi aussi. Je te propose maintenant de nous en faire part. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jeunes filles portent des croix huguenotes. Elles ont cette capacité déjà à avoir des repères ostensibles de ce qu'il y a en elles. Le verset biblique, enfin, de dire ce qui se cache dans ces croix huguenotes. Donc j'ai choisi le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. J'ai choisi ce psaume parce que je le trouve très rassurant et il représente bien ma vision de la foi et je sais que Dieu sera toujours là pour moi. Merci beaucoup. Vous pouvez venir tous les quatre là, laisser peut-être vos bibles, parce que c'est vrai que après la profession de foi, on propose un engagement, mais c'est une façon de dire que la profession de foi n'est pas le terme de la route, mais qu'au contraire c'est plutôt l'ouverture, le début. Donc croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre sauveur, et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer à vivre en fidèle du Christ, en aimant Dieu de tout votre être et en cherchant à aimer votre prochain, sans oublier de vous aimer un peu aussi vous-même ? Oui, que Dieu me soit en aide. Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tomber. Toute la vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible, la prière personnelle, mais aussi le culte et puis les débats entre vous, avec vos proches, avec ceux que vous rencontrerez. Tout cela, ce sont des moyens que Dieu nous donne et pour approfondir encore notre réflexion, notre foi, notre prière, et à devenir de plus en plus fidèles à ce chemin que vous avez choisi aujourd'hui. Alors vous avez reçu autrefois le baptême, le signe d'un amour de Dieu inconditionnel. Vous avez choisi aujourd'hui de répondre à cet amour par votre foi, à ce Dieu qui vous appelle « Mon fils bien-aimé » ou « Ma fille bien-aimée », vous répondez aujourd'hui à Dieu « Tu es mon Père que j'ai dans les cieux ». Vous avez ainsi scellé une alliance mutuelle avec Dieu. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne et encore plus grande joie, un peu égoïstement, comme membre de l'Oratoire du Louvre. Et c'est vrai que ça nous fait particulièrement plaisir que vous soyez là au milieu de nous pour ce jour de Pentecôte. Et bien que le Saint-Esprit affermisse jour après jour votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous donne de rayonner de bonté, de sagesse et de miséricorde. Alors maintenant, nous allons célébrer la scène ensemble. Vous êtes bien entendu invités à participer à ce repas. Venez de ce côté-là.
comme ça en est. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Éternel, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Ô Éternel, voici les tiens rassemblés devant toi. Nous avons entendu ta parole, nous t'ouvrons la porte de notre âme, de notre vie. Sois notre hôte, ô Éternel, notre Dieu. Amen. Lors du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». De même, après le repas, ayant pris la coupe, il la leur donna en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour le pardon de tous ». Nous chantons maintenant le spontané indiqué dans notre petit livret liturgique. Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain, voici le vin, que ton souffle vivant, ton esprit nous donne maintenant communion à l'histoire et à la vie de ton Fils Jésus-Christ. Éternel, tu sais notre faiblesse, alors nous te le demandons, fais venir sur nous un souffle de renouveau, un souffle de vie, que rien désormais ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni quoi que ce soit. Fais au contraire de nous des êtres vivants, vivants de l'Évangile, et réunis dans une foi commune au service de tous. Éternel, nous annonçons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans notre cœur et nous te disons cette prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ainsi, c'est sans aucune crainte que quiconque le désire peut participer à ce repas et prendre le pain ou boire dans la coupe en signe de sa volonté de vivre de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Venez, dit Jésus-Christ, car tout est prêt. Donc nous faisons des cercles successifs d'une cinquantaine de personnes. Donc si vous ne voulez pas rester debout à attendre trop longtemps, vous pouvez rester donc à votre place pour attendre. Vous restez là pour l'instant, je crois, parce que... Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est rompu pour nous. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, donc répandu pour le pardon de la multitude. Tu peux porter ça à l'autre bout. Si tu veux boire, tu peux. Sinon, tu vas porter à... Heureux l'homme, la femme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont jamais le feuillage ne flétrit. Tout ce qu'il fait réussit. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Ô Éternel, fais lever sur nous la lumière de ta face. Tu mets dans nos cœurs plus de joie qu'au temps des moissons et des vendanges. Aussitôt couché,
Je m'endors dans la paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Frères et sœurs, gagnons nos places dans la paix du Seigneur ressuscité. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu le couronnes de gloire et de splendeur. Ô Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents m'avaient épouvanté. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié vers Dieu, et de son temple, il entend ma voix, et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. On a choisi de donner à nos catéchumènes, en souvenir de ce temps de profession de foi, des psautiers. C'est vrai que quand on part en voyage, par exemple, on n'a pas forcément envie de prendre un kilo de Bible. Moi, personnellement, quand je vais en montagne ou je ne sais pas quoi, j'emporte ce petit psautier dans une traduction liturgique assez facile à lire. Et c'est vrai que ça peut nourrir la réflexion, la prière, dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc voilà. Que je ne me trompe pas, pour Arnaud, pour Iris et Roxane. Voilà, donc vraiment grand merci à tous les quatre pour ce temps ensemble et pour ce temps de profession de foi. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Vers nous, l'Éternel tourne sa face et il nous donne sa paix. Amen.